Donc au début, j'explique juste simplement que Nostrad Johnson va le faire revenir le rock au goût du jour. Donc tout simplement, il n'y a pas grand-chose à savoir. Simplement ça. Et donc du coup, là, ils sont presque en battle pour faire donc comment s'appelle le jeu en fait. Ils sont simplement en battle donc pour montrer ce qu'ils savent faire et tout. Donc voilà, donc c'est un résumé assez rapide, hein, bien Très sûr. bien. Maintenant, voyons si vous êtes capables d'alimenter tous les deux le Quasar. Démarrez la phase finale. Ok, c'est à nous. Donc là on est avec le jeu, c'est avec Zouk et Mayday. Donc ça a été fait par Metronomic. Je sais pas si je dis bien le nom. C'est fait par Metronomic et donc un autre studio. Donc eux c'est les développeurs et après voilà. Alors franchement c'est un bon petit jeu. Moi je vous le conseille très fortement. Donc moi je l'ai. Donc là il est disponible sur Xbox PC et aussi donc sur l'Epic Game Store. Donc là sur l'Epic Game Store il est disponible exclusivement dessus. Il est à peu près je pense à une trentaine d'euros à mon avis. J'ai pas les prix en tête. Donc à peu près une trentaine d'euros. Il est aussi disponible sur comment on s'appelle la chaîne de la plateforme. Donc je pense que Astor Gaming il est disponible mais je ne sais pas le prix en fait. Et il est aussi disponible sur le Microsoft Store. Donc ça c'est plus pour les joueurs donc console. Pour les joueurs PC, il n'y a que l'Epic Game Store à mon avis. Ça va couper. Un avis sur votre performance? On a assuré. Je m'en doutais. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Bon, 1 sur 6, c'est pas grave. Hey! Non mais attendez un peu là. Non mais vous m'entendez ou? Souk, dis quelque chose. Tada. Bon. Mais c'est pas... Allons, allons. Je serai franche. Vous êtes venu ici pour être jugé. Et mes artistes ont rendu leur verdict. Vous n'avez aucun avenir dans l'industrie. Quoi? Mais on a réussi à finir l'arène, et on... Nous avons le droit de vous rejeter, même si vous avez fini le parcours. C'est nous qui avons le dernier mot. Mais c'est pas juste! Allons, c'est une question de talent, pas de justice. Le but de cette audition est de dénicher un musicien capable de remplir nos critères d'excellence. Et ce n'est sûrement pas votre cas. Ça fait mal au derche de la part d'amateurs dans votre genre. Tu vois cette croix? Ça veut dire « dehors ». Si j'étais toi, je ravalerais ma fierté. Et j'irai me chercher une autre carrière. Vous pouvez pas me faire ça! Oh que si! Non! Je suis une musicienne! Je suis une artiste! Une artiste! Ma place est sur scène! J'en ai assez scène. Entendu. Merci beaucoup. Maintenant du ça vent. Ça va pas se passer comme ça! Vous y connaissez rien au rock! Vous avez jamais tenu une guitare de votre vie, je suis sûre! Pardon? Dites-moi que je rêve. Écoute-moi bien, cocotte. Tu crois que tu peux débarquer ici et imposer ton histoire débile à tout le monde? Tu es vraiment naïve si tu crois que le rock a de l'avenir. On n'est plus dans le passé. Les gens ne réclament plus qu'un seul style. Et c'est... l'électro-dance music. L'ère du rock est terminée. L'électro règne sur cette ville. Quoi? Tu te prends tes croix et tu te les gardes!
Bon. Alors, du coup, les temps de chargement, par contre, c'est quand même un petit peu long sur le jeu. C'est ça qui est dommage, mais bon, après, il n'y a pas. C'est pas. Voilà. Comment ils osent dire qu'on est naïf? Mais oui, c'était de la bombe! De la bombe, t'entends? Ouais, je sais. Non, sans deck? Bon, je sais que c'est pas ce que t'avais prévu, mais. Ça va te dépoter! C'est pas bon de s'énerver l'estomac vide. Tu sens où? Attendez. Ah, désolé. Oh putain. Bon, viens ici, toi. Tu sais, c'est peut-être le moment de réfléchir à ce qui nous a manqué. Ils ont sûrement des attentes totalement démentes pour ce qui est de choisir leur candidat. Quoi? T'as vu ça? On a presque totalement alimenté le Kwasa. C'est chelou. Quel sale menteur! Comment ils ont osé nous mettre dehors alors qu'on a écrasé la concurrence? Sérieux, c'est truqué! On peut pas laisser faire ça! Sauf que je vois pas bien ce qu'on peut faire. Y a toujours moyen de faire quelque chose, Zouk. Crois-moi. Si tu le dis, Inaï. Ah, c'est bon, désolé. Salut, spectateur, comment tu vas? Donc là, on est en train de tester un jeu qui est sorti bon, il y a quelques temps, il y a un peu, pas encore 2 mois, mais pas loin. Donc c'est un jeu, je pense, français, qui a été fait par Metronomic et un studio dont je sais plus le nom. Il est sorti sur toutes les plateformes, il est en exclusivité sur l'Epic Game Store. Donc c'est là où je l'ai, justement, sur l'Epic Game Store. Et il est aussi disponible sur le Microsoft Store.
Ah, on va couper, bah je te vois. Regarde autour de toi. C'est peut-être des ordures, mais NSR fait clairement du bon boulot pour gérer la ville. Zouk ? Ouais. Si je voyais ta tête, je te collerais un pain. Sérieux? T'as vu ça? J'y crois pas. Les générateurs de secours servent uniquement pour alimenter l'élite de NSR? C'est trop abusé. D'abord, ils nous éjectent. Ensuite, ils nous empêchent de faire du rock. Et maintenant, ils croient qu'ils peuvent garder l'électricité pour eux? Ça va pas du tout! C'est de l'abus de pouvoir! Ça me fait mal de dire ça, mais... je crois bien que t'as raison. C'est pas trop tôt. Alors dis-moi, Disque, qu'est-ce qu'on fait à ceux qui s'en prennent aux gens de Vinyl City? On va envoyer, on va riffer et on va leur en mettre plein la vue. Ouais, tu les vois quand tu veux. On dirait que DJ Subatomic Supernova est en train de se préparer pour son show. Nickel! Ah, Zouk, on y est. La guerre contre NSR est déclarée. T'es avec moi? Jusqu'au bout, May. Qu'est-ce que tu proposes? On va leur saboter leur concert. Wow. Fini l'injustice. C'est l'heure de mettre l'électro à terre grâce au rock. Que la révolution musicale commence! Voilà, donc là en fait, bon, je pense que vous avez compris. On va combattre l'électro par le rock. Donc, je pense que voilà. Il n'y a pas besoin de plus d'explications de ça. Donc là, on va commencer le premier boss. Le premier boss, ça, il est pas trop relou. Le pire, c'est le deuxième. Du moins, je suis allé jusqu'au deuxième. Qui est géré par des geeks. Donc moi j'ai fait juste le deuxième, après les restes j'ai pas encore fait. Donc bon, j'avais commencé comme ça vite fait, mais je me suis dit que j'allais le faire en live, ça pouvait être pas mal. Là on va couper. Vous ne savez même pas gérer un lancement de satellite totalement basique. Bande de cabale. Ça n'est pourtant pas si compliqué. Enfin, si, un peu. Quelqu'un peut-il aller me chercher une glace Mister Dodo? Celle-là est toute fondue. Berk. Super. C'est la journée de la France. Vous déconnez pas un peu chez NSR? Y'a pas assez d'électricité pour tous et vous, vous faites la fiesta? C'est qui cela? Ils ont acheté un passe-privilège pour avoir le droit de me parler. Tu nous as déjà oubliés? Bunkbed Junction, voilà qui on est. Et on est venu empêcher NSR de tout contrôler. Parce que les gens de Vinyl City méritent de connaître la puissance du rock. Du rock, intéressant. Très intéressant, oui. Ces ambitions médiocres, ces efforts inutiles, vous me faites penser à Pluton. Autrefois connu en tant que planète, mais ça c'était avant. Quoi? Pluton? Zouk, il est en train de dire qu'on est nuls, c'est ça? Ah, les planètes.
Captains sont pas forcément nuls non plus. Votre intelligence est très faible, comme le reste de l'humanité. Ce que je veux dire, c'est que, comme Pluton, vous êtes dépassé. Répète ça. Et tu crois que ta musique, elle est pas dépassée, peut-être? Vous ne savez pas qui je suis. Je suis DJ Subatomic Supernova! Ma musique atteindra chaque recoin de la galaxie. Et vous, c'est quoi votre CV? Les simplets! Voilà, premier boss. Donc là, je vais vous montrer comment il faut faire. Tout bon, moi je connais le truc. Donc là, il faut simplement détruire les genres de planètes. Là. Donc des destructeurs, il faut en détruire plusieurs, comme ça, vous pouvez plus lui envoyer dans la tronche, simplement. Donc là, vous avez les zones rouges. Les zones rouges, il ne faut pas aller dedans, hein, simplement. Voilà. Donc là, la première phase, elle est finie. De NSR sur Vinyl City est terminée. De NSR, peut-être. De ma musique, sûrement pas. L'écho de ma musique traversera l'univers de part en part. Donc là, c'est la deuxième phase. Deuxième grosse phase, du moins. Donc après aussi vous pouvez utiliser ça. C'est les fameux missiles. Hop. Donc là, j'ai eu de la vie. Après au niveau du jeu, ça va. Franchement, il est pas compliqué, il est pas hyper dur. Ça va. Là, je voulais streamer un autre jeu ce matin, mais en fin de compte, ça s'est pas fait. C'est un jeu qui est en Early Access, donc il est en accès anticipé. Moi, je pense que vous n'êtes pas débile, vous savez ce que ça veut dire. Donc là, il est en Early Access, et je voulais le faire ce matin. Et en fin de compte, ça s'est pas fait du tout, en fait, parce que j'ai pas pu le faire, simplement. Quand je vois que... J'ai regardé la. Je crois que c'était la semaine dernière, je crois, ou cette semaine, je sais plus quand. Quand je vois que. Je sais plus, je crois que c'était. Comment ça s'appelle? Genius, je crois. C'est le de moine qui est en train de galérer sur ce jeu, mais il galérait juste au premier boss. J'étais mort de rire. Franchement, ça va. Il est pas compliqué, hein. Ça va. Là où il a galéré, c'est dans la phase finale surtout. Pour faire les esquives. Voilà. Donc là, c'est la troisième phase. Donc là, par contre, là, ça va être de plus en plus dur. Et il y aura de plus de choses encore à faire. Mais après, si vous en sortez, ça va. Franchement, ça va. Hop. Voilà. Faut balancer en fait tout ce que vous pouvez. Après, faut faire les esquives et tout. Il y a pas mal de choses encore à faire. Hop. Voilà. Donc là, faut pas hésiter à lui en mettre plein à la poire. Voilà, donc là, pareil, vous regardez. Deux. Voilà, faut être au milieu. Franchement, ça va. En jeu, il est pas hyper compliqué. Faut juste. C'est juste de la logique en fait. Il m'a touché alors que normalement, il n'a même pas voulu me toucher. Ok. Hop. Voilà. Donc là, il y a toujours trois phases. Quand c'est les phases là. Nature 3. Hop, c'est une cible à la poire, celui-là. Voilà. Je prends un peu de vie. Hop, voilà. Hop.
Ouais, on n'a pas eu beaucoup de hits, on a eu que 1. Ouais, que 4. Hop, ah, il m'a touché. Voilà. Ah ouais, j'aurais peut-être dû prendre directement le zouk. Après, c'est pas grave. Hein. Et après, c'est la personne qui arrive à le faire du premier coup, sûr. 1, 2, 3, hop, voilà. Donc là, les week-ends, en fait, ce qu'on va faire, le matin surtout, surtout le matin, parce que le matin, j'ai un peu le temps. Donc on va faire les jeux qu'on connaît pas. Donc des jeux qui sont passés, on dira tel un ovni. Donc là, hier, je vous ai proposé Destroy All Human, donc la version remake. Donc si vous voulez aller revoir le stream, libre à vous. Il est disponible sur YouTube et sur Twitch, donc il est disponible sur les deux plateformes. Vous pouvez aller voir, il n'y a pas de problème. Ouh. Je crois qu'il est que disponible sur Twitch. Je sais pas, je ne me rappelle plus. Donc là, en fait, qu'on va devoir faire, c'est simplement des esquives. Alors, vous pouvez taper. Ouais, voilà, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Là, ça va être c'est chiant en plus. Ah! Il y a un moment où j'y arrivais, et puis maintenant j'y arrive plus. Ah, c'est bon. Là, j'ai pas réussi. Je crois que tout au mieux, là, maintenant. Non. C'est ça, en fait, qui est chiant, c'est que... Il faut réussir au bon moment, en fait. Voilà. C'est pas quand t'as fait maîtriser, mais ça va. Voilà, on en voit encore une fois. Et c'est exactement pareil donc pour les prochains boss. Donc des fois vous avez ça. Bon, on va couper. Pour qui c'est quoi Pluton au fait? DJ subatomique supernova, réponds. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, mais le DJ est actuellement indisponible. Voulez-vous lui laisser un message? Quoi? Mais d'où est-ce que vous... Une minute, je vous reconnais. Vous êtes ces sales petits saboteurs de l'audition Lights Up. Et ouais, Bunk Bed Junction. Et on est là pour ramener le rock. Le règne de NSR est terminé. Tu rêves pas du tout. On n'arrêtera pas tant qu'on sera pas célèbre. Et qu'on n'aura pas changé le système. Ouais. Oh, par pitié. Cette vie-là s'est subi votre régime tyrannique. C'est le moment de donner au peuple ce qu'il réclame. Épargnez-moi, vous simagrez. Vous vous croyez meilleur que moi? Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, l'ère du rock est terminée. Ouais, bah t'as tort. Et notre victoire vient de prouver que le pouvoir du rock est plus fort que jamais. Qu'est-ce que tu réponds à ça, hein, hein? Espèce de sale petite... Très bien, c'est ça que vous cherchez. Alors allez-y, on a largement de quoi vous faire plier. Nous nous battrons grâce à l'ordre. Et il n'y a pas de place pour vous dans notre système. Si c'est pour ça que tu te bats, alors tu peux te le garder, ton système. On va se battre pour la justice. Pour les habitants de Vinyl City, on se bat pour les vrais gens. Zouk, viens ici. Mets ta main contre la mienne. Si tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu lèves le petit doigt. Ah,
comme mets ça. Ta main contre la mienne. Ah, non, okay. De l'autre côté. Non, bah, je vais vers ta droite. Ma non, mais tu... droite. Bon, laisse tomber, vers la comme gauche. Comme ça. Plus, gauche, 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 gauche. Ouais, pour les vrais gens. C'est vrai qu'il y a quand même une partie un peu de, d'autodélision, ça qui est vachement bien. Garde de torsier à mon avis. Ah, cool. Ouais. Ah, hop. On a une piste. Hier soir, un sabotage au club Planétarium a entraîné un changement inattendu de directeur. Les autorités ont découvert que le groupe à l'origine de l'interférence est Bunk Bed Junction, un duo de rock indépendant. Le groupe est mené par une guitariste se faisant appeler Mayday, accompagnée de son complice batteur Zook. Selon nos sources, ils auraient interrompu le concert de DJ Subatomic Supernova vers minuit. C'est la première fois depuis des années que NSR n'avait pas perdu un quartier. Malgré tout, Tatiana s'est voulue rassurante en affirmant que le lancement du nouveau satellite de NSR, supervisé par DJ Subatomic Supernova, s'est déroulé sans difficulté. La perte du quartier Castec n'est qu'un minuscule contretemps. Le lancement est une réussite. Le satellite NSR devrait prochainement atteindre son orbite finale, ce qui constituera une grande étape pour... Super! Tu me dois une télé, mec! Quelle bande d'ordures! On a battu un de leurs artistes, mais ils arrivent quand même à gagner! Ça t'autorisait pas à flinguer ma télé? Et on n'a pas assez d'argent pour s'en racheter une! Écoute-moi bien! Notre révolution sera un chemin long et difficile. Et il ne pourra pas se faire sans des sacrifices! C'est pas une télé qui va... Ah tiens, j'ai reçu un texto! Zook, Zook, je crois qu'on a un premier fan. Redis-moi ça. Il s'appelle Cliff et il dit plein de choses super sympas sur nous. Écoute un peu ça. Vous avez un talent exceptionnel pour jouer de vos instruments à la perfection, tout en ensorcelant immédiatement votre public. Pourquoi tu dis ça avec ce ton? Il dit qu'il aimerait nous rencontrer ce soir. Tu trouves pas ça génial, Zook? Notre première rencontre de fans! Ouais, c'est cool. Sauf que là, on devrait plutôt réfléchir à ce qu'on fait ensuite. Pour battre NSR, je veux dire. Il dit qu'il sait comment battre NSR. Oh. C'est vrai? Zook, ce type est notre plus gros fan pour le moment. On devrait écouter ce qu'il a à dire. On n'a rien à y perdre, non? Ouais. Bah, pourquoi pas? Génial! Laisse-moi lui répondre. Et... j'envoie. Tu sais comment il a eu ton numéro? J'en sais rien. Ok, Cliff nous donne rendez-vous à Festival Plaza. D'accord. On va voir ce que nous veut ce type. Donc là, on est... première phase terminée, donc on a battu DJ Supernova Subatomic, hein, je sais pas quoi. Alors, du coup, en décoration, hop. Alors je sais pas, parce que tout à l'heure, il y avait un truc qui était marqué avec les chakras, je sais pas quoi. Là. Non, ça, on s'en fout. Je pense que ça sera peut-être pour la suite. Ouais. Non, pour l'instant, on peut pas. Donc là, c'est pareil. Ce matin, j'ai fait un petit tour sur ma chaîne YouTube. J'ai été surpris. Je peux dire que j'étais vachement surpris. J'ai eu deux abonnés en moins. Alors, c'est pas comme si je faisais pas de vidéos. Hein. C'est pas comme si je ne sortais pas. J'en sors assez souvent.
Et du coup, bah, deux personnes sont désabonnées comme ça, je sais pas pourquoi. Si on me dit que c'est à cause de mon contenu, bah, je rigole. Parce que le contenu, ouais, il y en a quand même. Donc, c'est pas comme si il n'y en avait pas, c'est pas comme si je sortais une vidéo tous les tremblements de terre. J'en sors quand même assez souvent, bon, enfin bref. Alors, ouais, les pannes de. Alors, donc, ça après, c'est à mettre sur les instruments. Donc là, ici, il n'y a rien. Donc là, pareil, je sais pas comment on fait pour monter. Il n'y a même pas de truc pour monter en fait, c'est complètement nul. Je sais pas pourquoi on peut pas monter. Bon, on va déjà récupérer ça. On va mettre le courant dans la zone là. Alors, déjà de mes niveau 2. Là après je sais plus c'est 15. Ouais. En fait c'est toujours par 5 il me semble. Mais je fais des roulades pour aller plus vite parce que. Hop. Là, on va tout récupérer. On va aller juste après là, où on était un peu plus tôt. Donc on va faire ça. Là je vais déjà tout récupérer là, puis après on va retourner où on était avant. Donc si j'ai le temps, je fais le prochain boss, donc le deuxième. Je sais pas si j'aurai à faire le deuxième tout de suite ce matin. Bon, on verra bien. Ouais. Pour l'instant, je sais pas encore, donc on verra ça. Donc déjà, j'ai déjà mettre déjà ce qu'il faut, où il faut. J'ai oublié de me taper des roulades pour aller plus vite. Donc là, ça c'est pour le level 2. Alors, hop. Contre le DJ était Célesto Cosmique. Je vous soutiens totalement. Il est grand temps qu'NSC revienne sur Terre. C'est clair! J'étais sûr qu'on n'était pas les seuls à penser ça. Non, loin de là. En fait, j'aimerais même vous proposer mon aide dans votre démarche. Je me demandais, vous n'auriez pas ramassé quelque chose après avoir battu le DJ Subatomic Tu parles de ça? Oui, c'est ça, le disque de platine. Tous les artistes d'NSC en ont. Celui qu'il a en sa possession devient le nouveau chef du quartier et en obtient le contrôle absolu. Allez-y, placez le disque de platine. Voilà, hop.
Ouais. Ah, test tech. Saboter les autres concerts. Les autres concerts? Ceux des autres quartiers. Comme ça, vous gagnerez le contrôle de toute la ville. Vous voulez bien libérer Vinyl City des Nesseurs. On est d'accord. Carrément. Alors, vous devez battre les autres artistes des Nesseurs. Okay. Ouais. Voilà, c'est tout ce que... Ici, tu... Ouais. Tu seras le bienvenu si tu veux nous voir. C'est vrai? Ce sera... C'est situé près de... Oh, t'inquiète. Je sais déjà où c'est. Je vous attendrai. C'est pas génial, ça? On n'est pas tout seul. On a des alliés. Ouais. Ouais, ok. Bon, on va faire le briefing. Ouais, bon là ça c'est la jeune, c'est Sayu, hein. Oui, prenez ceci, n'oubliez. Bonne chance. On se retrouve dans les égouts. Au fait, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer le poster que tu as. Oui, Kulfaira, la légende, la seule et l'unique. Attention, Cliff, t'as ouvert la boîte de Pandore. Elle a fondé un groupe. Les... Ouais. Hop, hop, hop. Elle mérite. Oh mais c'est prêt. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des trucs des fois, c'est un peu relou quand même. Je crois que c'est là. C'est pour les modifs. Donc là, ils expliquent à peu près tout. Viens, pour m'aider. Donc là, il n'y a rien de spécial pour elle. À part ce qu'on a déjà mis. Et les chakras ouverts. En autocollant. On va la mettre en... Non, si, elle va la mettre en... En D. Et le zouk, on va la mettre en... Ah bah on peut même pas. Ah, dommage, j'ai fait l'idiot. Et au-dessus, c'est quoi? Ok. Compétences. Donc dans les compétences, il y a quoi? Ah, ok. Bon. Alors, il y a la frappe. On va mettre le tir. Après, bon, le reste, on va pas mettre. Zouk, on va mettre la frappe. La transformation. Voilà. Après, reste, on peut pas mettre parce que du coup, on n'a pas ce qu'il faut. On va déjà mettre ça. Parce que moi je l'ai fait en fait, j'ai pas tout regardé. Donc la première fois que je l'ai fait, franchement, j'ai pas envie de le dire à la one again. Je l'ai fait vite fait. J'ai survolé une truc et j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et c'est donc vraiment à la fin que j'ai compris donc, ce qu'il fallait faire, ce qu'il donnait, ce genre de choses. Donc ça je savais pas au début. Donc là du coup on va aller directement chez Sayu là. On va aller la combattre. Là, je vais devoir un truc là. Hop. Point de vie. Donc ça on mettra après le point de vie. Donc là, bah, j'ai récupéré juste un chez lui. Ici. Voilà. Yep.
rayons de parade. Bon, là, il y aura des spéciales. Donc là, après, c'est pareil, tu peux recommencer, en fait, le jeu. Certainement, du moins, tu peux recommencer les interprétations, ce genre de choses. Hop. Radio amateur. Voilà, il n'y a rien de spécial. Voilà. Donc là, on va commencer le boss, le deuxième boss du moins. Ça s'appelle Sayu. Donc là, pareil, faut pas hésiter à faire le tour. Plus souvent, c'est ça. Hop. Sachant que ça, moi, je l'ai fait en presque 2 jours. Parce que, du coup, après, moi, j'avais un petit peu arrêté et tout. Et là, en 43, 44 minutes, je suis déjà au bassin. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Hein. Alors, par contre, le boss, là, je vous mens pas. Il est relou. Il est très, 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 très chiant. Ça, vous allez voir. Donc là, je vais plutôt me mettre... Avec Mayday, du moins. Non, mais il se fout de ma gueule, lui. Hop. Voilà. Ma gueule, lui, hein. Non, mais lol, quoi. Ah, c'est les phases les plus chiantes, c'est ça. Merde! Ah bah. Ah. Si je te dis, des fois, en fait, tu fais pas gaffe, mais tu te fais avoir. Hop. Voilà. Merde. Non. Sérieux. Non mais... Je vais quand même m'entraîner parce que... Moi, t'arrives même pas. J'arrive même pas en fait à... Allez, si tu veux, ça veut plus. Mais bon, ça c'est fait. Non, mais. En fait, c'est les trucs de distance qui sont mal faits, en fait. Ça arrive. Ou c'est moi qui ai du strabisme, je sais pas.
Hop. On doit attendre que mes idées reprennent. Ça, c'est un truc qui arrive assez souvent. Bon, hop, ça suffit. Non, mais là, franchement, c'est relou. Et je vais attendre. Je suis tout, je vais me faire avoir. Ça c'est fait. Là on est au 6. Et là, je te loot, elle tombe toujours dans la... dans le sol. Voilà, ça c'est bon. Voilà, deuxième boss. Donc on fait le deuxième boss et après donc on arrêtera là. Waouh, c'est rêve ici. Ça alors, bienvenue mes amis. Êtes-vous ici pour apprécier la douceur infinie de ma voix angélique? Quoi? Quelle douceur infinie? N'importe quoi. On est là pour amener le rock à Vinyl City et... Non mais c'est ridicule. J'arrive pas à croire que je suis en train de parler à ce machin. Elle est même pas réelle. Chut, mais dis pas le mot en R. C'est un sujet ultra tabou dans ce quartier. Le mot en R. Tu veux dire réel. Mais tu l'as vu, Zouk.
Elle est pas réelle. Oh, mais je suis réelle. Aussi réelle que votre amour l'un pour l'autre. Oula, attends. Je le vois dans votre regard. Vos cœurs battent comme les vibrations frémissantes de l'océan. Babou, babou, baboum. Ça veut dire suis ton cœur, Zouk. Mais c'est pas le seul truc à prendre en compte. Hep, on est là pour se battre, t'as oublié? Zouk, secoue-toi un peu. Et toi, de façon, t'es pas réel. Allez, place au rock. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Regarde-moi. Ah, on dirait que je vais devoir vous battre grâce au pouvoir de Love, Love, Sagopan. En tout cas, les musiques, on peut pas dire que c'est de la merde, elles sont très bien. Pam 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 pam. Hey, viens un peu ici, ne passera pas sa face. Bon, ça s'en fout un peu. Faut la coincer, Zouk, que je lui pince les joues. Par contre, faut pas aller trop vite, ça sert à rien. Surtout qu'il y a des trucs là. Ah, premier c'est moi. Non mais j'ai pas assez de toucher. Sous l'océan. Ah, c'est une bande de geeks, en fait, ils sont derrière ça. Je suis trop belle pour me battre. Attends. Je sais pas pourquoi j'ai voulu passer de ce côté-là. Pouh.
Je sais pas comment vous trouvez le jeu, mais moi en tout cas je trouve qu'il est vachement bien quand même. Je sais pas pour vous. Et si vous avez un avis sur le jeu, faut pas hésiter à mettre en commentaire. N'hésitez pas. La session commentaire est là pour ça. Ok, je crois que tu m'as même pas touché, mais c'est bon. Si il veut. Ah mais sérieux, le truc il me touche, je sais pas comment. T'es. Ouais, bien sûr. Un. Deuxième. Hop. Donc on va aller au dernier, là. Déjà, il faut estimer toutes les attaques là-dedans là, et il faut estimer aussi les trucs là, les trucs de son. Ok. Hop. On peut encore battu. C'est encore que le début. Ah, c'est vrai, faut aller loin. Ah, en fait, faut remonter tout simplement à l'endroit où on était un peu avant. Hop.
Voilà, pour toi, c'est la phase la plus chiante. Ah, ah, j'ai pas le temps. Ouais, ça m'énerve. Non mais, t'as pas tout bougé. C'est bon, vous avez fini là de... Sûrement, ou comment ça se passe? J'ai même pas tant déçu en fait. Il y a pas 36 moyens de finir. Elle me tente bien, cette porte. Qu'est-ce qu'on attend? Dunkbed Junction sur le pont. Super doué, les gars. Mais là, c'est un truc qui vous dépasse, et c'est vraiment pas pour les gamins. Allez à l'école, faites vos devoirs, et le plus important, ne transformez plus jamais Sayu en cette chose. Allez, May, on rentre. Ok, sayonara.
Le groupe connu sous le nom de Bunk Bed Junction a interrompu un nouveau concert. Malgré son charme, Sayu n'a pas été épargnée par leur rébellion pour la domination absolue. Nous avons pu interroger brièvement les deux rockers insaisissables pendant leur fuite d'Akusuka la nuit dernière. Mayday, Zouk, pourquoi sabotez-vous les concerts de NSR ? Hein ? Quoi ? Vous êtes les gars du JT ? On passe à la télé, là ? Oui, de nombreux habitants s'inquiètent de votre comportement hostile. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait ? Wouhou ! Je passe à la télé ! Salut, salut, salut ! Super, tu me dois une télé, Tatiana. Tu n'avais qu'à pas mettre ta télé dans mon bureau pour commencer. Oh, par pitié. Bref, nous devons régler ce problème. Apporte-moi le corps du pardon. Le corps du pardon ? C'est navrant. Par pitié, ne me dis pas que tu comptes demander l'aide de ce type. Au grand mot, les grands remèdes. Nous allons continuer à perdre des quartiers si ça continue comme ça. Apporte-le-moi. Almak, j'ai été invoqué. DK West est en route. Yeah! Tiens, 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 t'as enfin décidé de souffler dans ce corps. Contente de te voir aussi, DK West. Tu m'étonnes. Eh bonjour poupée, je t'avais pas oublié. Je vais aller voir si les programmateurs à l'étage ont besoin de moi. À plus tard, ma jolie. Burke. Ok, je suis là. Vas-y, je te laisse parler. J'imagine que tu n'as pas entendu parler de ce qui se passe à Vinyl City. Je sais pas et je m'en tape. Je m'en doutais. Un groupe nommé Bunk Bed Junction s'empare peu à peu de nos quartiers. Ils vont maintenant s'en prendre à... Wow, Tatiana chérie, je suis pas venu ici pour discuter politique avec toi, tu piges? Tout ce que je veux, c'est des excuses. Fais vite, j'ai pas toute la journée. Est-ce que je t'ai dit que le batteur de ce groupe est un dénommé Zouk ? J'imagine que ça peut t'intéresser. Waouh ! T'as bien dit ? Zouk ? Ho 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 ! Alors oui, les voix sont très détaillées. Oui, j'ai hâte de voir ça, je sais. La prochaine cible, c'est Inou. Donc là, on va aller dans l'atelier. Akusuka était impressionnant. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Merci. C'était grâce à tes indices et tes gadgets. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je suis encore en pleine préparation, mais il y a l'air d'avoir de l'agitation dans l'allée à côté d'ici. Vous devriez aller voir ce qui se passe, le temps que je fais. Ne presse pas, Cliff. Ouais, prends ton temps. On va aller voir ce qui se passe. Donc là, après, je sais pas où il faut vraiment aller. Donc là, je suis pas juste là. Animateur radio. Je vous attendais. Oh, pourquoi ? Bah, j'en oublie mes manières. Je suis Zam. J'ai entendu parler de votre concert avec le DJ. J'ai vu ce que vous avez fait à Akusuka.
Franchement, vos efforts pour changer les choses sont super inspirants. Merci, Zam. Pourquoi tu ne rejoins pas dans la rébellion contre NSS? C'est intéressant que tu dises ça. Parce que je suis justement en train de créer une toute nouvelle radio. Ah, sympa, ça. Ça se passe bien, les... Ça se passait bien jusqu'à ce que mon local soit saisi l'autre jour. Faudra un peu de temps pour récupérer mon équipement et réinstaller... Tu cherches un local? Pourquoi tu viens pas dans notre piole? On a justement de la place pour... C'est vrai? Je peux? T'en penses quoi, Zouk? Pas de problème. On est fou. Théorie. Je vais remonter Zam FM. Comme ça, je pourrai vous interviewer. Alors... Ça, je découvre en même temps que vous, là, maintenant. C'est ton frère? Pourquoi vous parlez pas du tout pareil? Ah, j'en sais rien. Pourquoi t'as la peau orange? Hein? Je vois pas trop le rapport. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, t'as de... Tranquille, pas grand chose. Je monte juste au mec du coin. C'est quoi la vraie Zikmu, tu vois? La vraie Zikmu? Tu veux vraiment faire ça maintenant? Ici? Ouh, oui. Casse la loupe, ma chère. Angry only. Aku birthday cow, you angry. Ta jaw message cow, you angry. Aku jual drum set cow, you angry. Hey, jamais jam tout là. La ferme West, tu nous ralentis dans notre évolution musicale. On a des tas de trucs à régler et j'ai pas le temps de faire le débile avec toi. T'as compris? Yeah, relax, bro. Relax. Kalau kau nak fans kau balik, senang je. Tunjukkan mereka siapa lebih hebat. Hadap aku di... Rap Battle! Je t'ai dit que j'ai pas le temps de jouer avec toi. Ok là, aku pergi cuy lagi fans kau. C'est bon, d'accord. On en finisse. Jaya la! Ok. Non. Ok. Ah, c'est pas mal la musique là, franchement j'aime bien. Compliqué quand même. C'est pas mal, franchement, la musique là. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais moi je trouve qu'elle est vachement bien en plus. Vu cet aspect de ta personnalité, tes délires, c'est rien d'autre que des illusions. Tes rimes
comme du fer forgé sans fusion. Tu penses être un roi, t'es qu'un mytho. Ouais. Et si t'étais une mélodie, je passerais le veto. Le monde tourne pas autour de toi, même dans le multivers, tu mérites pas de trinquer un West. Où est West, qui West? Il est parti en fumée. Parti en fumée. Fumée. Niveau cerveau, c'était carnage. Toujours à le suivre partout comme un hit. L'invincible Zuki voulait ma team. Petit pépin, se croyait pépite. Sans gants, il se ferait le titre. Les gens riaient, emblème ma vie. Il est gentil, mais on les vite. Quand il en parle, on croit rêver. West, faut pas se leurrer, ils t'ont jeté. À l'époque, mon succès te rendait fou. Apparemment, je te copiais, je rêvais d'être toi. Pourquoi? Je m'en souviens pas, je sais pas. Moi, j'étais déjà le roi, je te voyais pas. Oh putain. Comme une pleine lune à midi. Et Nadia te rappelle sans sourire. Je la kiffais, je voulais la regarder vieillir malgré toutes tes craintes. Oula, oula, oula. Quand t'as volé la fille qui était la couleur dans ma vie. Non, j'ai pas envie de me dire, là, je galère un peu quand même. Ton imaginaire puise dans le vent. Tu crois être un marathonien mais tu cours sur place. T'iras jamais bien loin, en plus le monde est vaste. Quand t'as kill de la fin, t'étais au bout de ta life. Ton retour c'était hard, c'était fat. C'est la vraie vie. Reste plus qu'à gagner ta petite ludiki. Oh putain, où t'as... Je crois qu'il parle de Jamaïque, à mon avis. Eh, hey, où est-ce que tu vas? Je t'ai écrasé comme un amateur, t'entends? Ouais, c'est ça, dégage, vas-y. Ok, je sens une tension de fou là. Il est passé au Zouk, le mec le plus décontracté de Vinyl City. C'est bon, je sais, je sais. C'est juste que ce type est tellement... tellement... Oh eh ouah. Best. Ah, donc on est dans les B. J'ai pas fait que je suis en B. Ah. Salle de réunion. Carnet numéro 1. Ah. Alors, l'atelier de Zouk. Une view, une team. Appuie sur RLT et RT en même temps. D'accord. Mais. Donc là, on l'a équipé.
Alors, du coup, on va dans sa dépense à Claudestine. On va augmenter un petit peu, je sais pas si on peut. Donc là, le prochain level, c'est 5000 fans. Après, il en faut 10, 25 et 50 000. Donc on va voir Zouk. Et c'est bon. Voilà. Alors, du coup. Donc là, moi je vais arrêter là pour l'instant. Donc pour Nostrade Rule. Cet après-midi, je ne sais pas si je vais faire un live. Ou plutôt, je pense ce soir. Donc là, cet après-midi, je vais, là, à partir de maintenant, je vais aller sur Destiny 2. Histoire d'augmenter mon perso et tout. Et donc, du coup, nous, on se retrouvera un peu plus tard. Moi, je pense dans la journée, plus ce soir, pour faire du. Comment ça s'appelle? Du Darksiders. Darksiders World Mastered. Donc, ça, voilà, on va le faire ce soir, je pense. Peut-être pas dans l'après-midi, mais plus ce soir. Donc, on verra comment ça se passera. Sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine et du coup, portez-vous bien. Allez, tchuss.